Hey, c'est ton c'est Wilton, j'espère vraiment que vous allez tous et toutes très très bien, moi en tout cas ça va super bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va jouer à Fortnite, pas au clavier souris cette fois-ci, pour ceux qui ne savent pas, je suis joueur clavier souris. Et aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas ressortir la petite manette. Et on va essayer, on va voir ce que ça donne, vous attendez pas un truc de fou non plus hein. Voilà, je suis devenu joueur clavier souris il y a très peu de temps, enfin, il y a quand même presque un an. J'ai commencé vraiment à m'y intéresser début 2019, là du coup il y a presque un an. Et du coup voilà, j'ai vraiment vite lâché la manette, on va dire. Au départ genre j'avais commencé à un petit peu m'entraîner clavier souris, c'était à l'internat de mon lycée, je me souviens, étant donné que j'avais Fortnite sur PC. Même si je galérais à le faire tourner, je me suis dit, oh, je vais m'entraîner vite fait. Ça c'était en novembre, fin novembre 2018, il faut pas que je me trompe sur les années. Puis au fil du temps, j'ai commencé un peu à lâcher la manette, reprendre un peu plus clavier souris, jusque janvier 2019, où j'ai passé ma vie clavier souris sur Fortnite, étant donné que j'ai énormément joué en janvier, on va dire. Je sais plus quelle saison c'était, je crois que c'était la saison 7. Ça devait être par là, et du coup, j'avais quand même atteint le level 100 et compagnie, là. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, je peux même pas changer ma sensi. Oh putain, oh non, en plus j'ai baissé comme un connard, oh là là. Oh merde, comme un connard j'ai sauté aussi, aïe. On va aller Craigie, je suis jamais allé je crois. Bah essayez du coup, vu que j'ai découvert la map. Ouais, du coup comme un connard j'ai réinitialisé tous mes paramètres, ça fait plaisir. Allez, on va aller à cette petite maison, j'espère qu'il y a des armes. C'est là, oh bah parfait, un fusil à pompe, c'est pile ce qu'il me fallait dès le début. Ah je vous jure, ça fait tellement bizarre de rejouer à la manette en fait. Mais bon, en fait comme j'ai de base, je suis joueur clavier souris, mais pas vraiment de base en fait, parce que j'ai commencé Fortnite à la manette hein. Bon par contre je vous préviens hein, vous attendez pas un niveau de folie. De temps en temps ça m'arrivait de reprendre la manette, mais bon, le niveau il était pas vraiment là, on va dire. Il y a juste le shoot, puis avoir un shoot à la manette, c'est pas vraiment compliqué. Enfin, je suis pas là en train de prendre le code que les joueurs manettes, hein. Mais personnellement, pour mon cas, c'est pas compliqué d'avoir un shoot à la manette. Oh, ben. J'ai réussi à le tuer, et je sais même pas comment j'ai réussi à le tuer. Ben, let's go, premier kill à la manette. Oh, en plus, il avait un lance-roquette. C'est un petit peu. Oh, putain. C'est un petit peu ma sécurité sociale, on va dire. Bon, je crois que toi, t'es un bot. Oh, merde. Il a fait. Oh, mais il a failli me tuer quand même. J'ai failli me faire tuer par un bot, les gars. Hein. Bon, mais déjà, deux petits kills à la manette, quand même. Fou, putain, je suis refait. Moi, je pensais que j'allais me faire détruire, en fait. Alors, je mets le petit medkit et on va aller dans la zone. J'allais pas à côté, putain, évidemment, quand je tourne les vidéos. Ouais, vous m'aidez pas, Fortnite. Hein. Bon, je sais que certains veulent le revoir, on va dire, du Call of Duty sur la chaîne. Il va en avoir, ne vous en faites pas pour ça. C'est juste que le temps d'avoir Modern Warfare, je sais pas du tout quand je l'aurai. Bah, du coup, en fait, le truc, c'est que j'ai pas forcément envie de faire du Black Ops 4, parce que ça m'a un petit peu saoulé. Et comme tout le monde est sur Modern Warfare, ça me saoule un petit peu, justement. Mais promis, dès que j'ai mon arme à faire, je vais vous spammer de vidéos dessus, vous inquiétez pas pour ça. Mais pour l'instant, je dors un peu de Fortnite. Avec d'ailleurs mon co-créateur qui est normalement Wilter maintenant. Ou si jamais ça marche pas Wilter, c'est Wilter 13 en fait. C'est juste que j'ai demandé à faire le changement juste pour Wilter. Parce que normalement, Wilter 13 c'est mon pseudo Epic. Du coup, j'ai contacté Epic Games, ils sont en train de s'occuper ça. Ne vous en faites pas pour ça. Donc, de toute façon, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Hein. Merci en tout cas à toutes les personnes qui le mettront. Je vous remercie à travers ces vidéos. Et par rapport aux vidéos Call of Duty Mobile, malheureusement, il ne pourra pas en avoir étant donné que. J'ai voulu essayer de tourner une vidéo avec la caméra de mon PC, la qualité était horrible, j'ai quand même tourné la vidéo, tout ça. Mon téléphone, l'enregistrement du gameplay, ben, il est un peu foireux, tout ça, il y a quelques lags, la caméra n'est pas ouf, du coup pour l'instant il n'y aura malheureusement pas de Call of Duty Mobile. Mais dès que je peux en faire, si jamais un moment pour X ou Y raison, je peux en faire. Promis, je vous en ferai, mais bon pour l'instant j'allais devoir attendre, hein. Je suis vraiment désolé les amis. Surtout que Call of Duty Mobile, je kiffais, franchement il est incroyable pour un jeu mobile, je m'attendais pas à un truc aussi ouf en fait. Encore ça va, j'arrive à bien manier, parce que voilà, avant j'étais du coup joueur manette, au tout début de Fortnite, pendant un peu plus d'un an j'étais joueur manette. Et du coup, je peux témoigner, entre guillemets, si jamais à la au clavier souris, c'est plus facile qu'à la manette. La réponse est non. En fait, sur les deux manières de jouer, manette et clavier souris, en fait, il y a chacune des particularités qui sont compliquées, comme sur clavier souris, il n'y a pas l'aim assist. Alors, sur le manette allié, enfin, plein de petits trucs comme ça, ce qui fait que c'est pas forcément plus simple. Mais après, en fait, c'est juste s'il faut l'expérience avec le clavier souris ou l'expérience avec la manette pour savoir, on va dire, faire les choses bien, bien edit, tout ça. Manette, avant, je m'entraînais pas du tout à edit, je savais vite fait edit, mais clavier souris, je me suis à mort entraîné et depuis, j'ai un level principal pas mauvais. Si vous voulez, je vous le montrerai dans une de mes prochaines vidéos. Si jamais vous me demandez, n'hésitez pas. Vous avez les commentaires qui sont faits pour. Mais du coup, voilà, manette, c'est pas forcément plus facile que clavier souris. Pareil, la manette, il y a les avantages. Comme les clavier souris, il y a les avantages. Mais du coup, voilà, il faut arrêter la guerre manette clavier souris. Moi, de toute façon, je m'en fous. En vrai, je suis pour aucun des deux. Honnêtement, si j'ai envie de jouer manette, je joue manette comme là. Si j'ai envie de jouer clavier souris, bah, je joue clavier souris. Hein. Finalement, j'ai la zone qui est en train de me rattraper. Au pire, c'est pas grave. Vous savez quoi? On va quand même ouvrir les coffres ici. Est-ce que j'aurai un bon truc? J'espère. Oh, ben tiens, on peut.
slasher rouge, bleu. Pourquoi j'ai dit rouge? Mais du coup là, en plus là actuellement je suis en train de kiffer Fortnite. Mais ça faisait tellement longtemps, au tout début de Fortnite, vraiment de novembre 2017 jusqu'à on va dire mai 2018, j'étais vraiment en train de kiffer le jeu et tout ça. J'ai commencé vraiment au début, je crois que j'avais été chargé, c'était précisément le 10 octobre 2017, 2 semaines après que le Battle Royale soit sorti. Au début je trouvais pas ça forcément ouf, mais après m'y être un peu plus intéressé, j'ai vraiment adoré le jeu. Ouh, il y a des tirs là-bas, il y a des tirs, on va y aller quand même, on va aller voir. Mais je suis en train d'aider, mais tous mes mines sur lui. Oui, j'ai réussi à le tuer. Let's go, je crois que c'est un bot. Enfin, en vrai, je sais pas. Hein. Niveau 57, let's go. Franchement, je pense que. Oh putain! Putain, le mec il m'a laser. Oh putain! Putain, le mec il est en train de. Non, 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 non. Ah non, putain, mais je suis mort comment là? Mais j'ai posé mon putain de sol. Mais c'est quoi ce jeu? Sérieux, j'ai posé mon putain de sol. Pourquoi ça n'a pas marché? Mais j'ai mitraillé R1. Mais pourquoi? Allez, c'est pas grave. On est cette fois-ci parti. On va aller à Retail Row et on va remercier le chauffeur du bus de nous l'amener. Aussi, je trouve ça graphique qu'ils affichent, on va dire, les niveaux, la barre des niveaux, un peu comme à la MW2 à l'époque où, genre, quand t'avais les niveaux, enfin, les niveaux ils étaient en bas, ton XP, tout ça. Et en plus, qu'ils les affichent à côté du pseudo, comme ça, moi, tu vois un peu les levels, enfin, les mecs, quel niveau ils sont dans la partie, tout ça. Ça a été un très bon jeu en tout cas, bravo Epic Games d'y avoir pensé. Oh putain, il a pris ma maison, l'enfoiré. Bon, on va aller ici. Ici, c'est très bien. Non, il y en a un mec. Oh, bon, on va aller ici. Hein. J'espère qu'il y a des gangs. Super. On m'a volé toutes mes maisons. Super, j'en ai marre. Oh, il y en a mis juste ici. Oh, c'est un bot. Bon, on nique sa mère. Hein. J'ai quand même galéré à le tuer, mais on l'aura tué. C'est pas grave. Et normalement, il y en a un autre là. Il y a une goule pas loin. Oh putain, j'ai vu un mur se détruire là. Oh putain, passe ton mur, passe ton mur. Il est juste là-haut, je me mets mon petit kit et après on va le rush. Ou je sais pas s'il avait pas l'air mauvais en tout cas. Non, non, il avait plus de vie. Il avait 2 HP, il avait 2 HP l'enfoiré. Non, non, non. Non! Bon, c'est pas grave, on va relancer une game. On relance une game, c'est pas grave. Ah là là, on arrive vite. Il avait 2 HP, le con! Mais non! Je suis deg! Allez, on est reparti pour la troisième et dernière partie en espérant cette fois-ci peut-être potentiellement gagner. On va aller à Pleasant. Bon, ça m'étonnerait très fortement qu'on fasse le top 1. En plus, si jamais j'arrive à faire top 1, les gars, la caméra elle aura plus assez place. Du coup, on va quand même essayer de faire un maximum de kills pour venger de celui qui m'a tué alors qu'il aurait fait 2 HP. Ah, il y a quelqu'un à ma maison. J'entends quelqu'un au-dessus de ma maison. Enfin, il vole du moins au-dessus. Putain de zombie de merde! Allez, toi. Va te faire une culée, putain. Oh, il m'a fait flipper, mais ils me font flipper ces zombies de merde. Bon, en même temps, vous me direz, c'est un petit peu l'objectif, hein, parce que si jamais il faisait pas du tout flipper, enfin, pas flipper, mais surtout se faire sauter. Ça serait un petit peu con si jamais ça marchait pas, hein. Ah! Oh putain, mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a sauté, il s'est arrêté, il a plus rien fait après. Non, non, c'est pas mérité, c'est pas mérité, c'est pas mérité, c'est pas... Il aurait fait 18 HP, mais j'en ai marre, t'es trop lourd et qu'il meurt pas. Non, mais sérieux, ce jeu, il se fout de ma gueule. Oh, l'autre, j'ai mis à 2 HP, et lui, je mets à, du coup, 18 HP. Mais arrêtez, les gars, mourrez au bout d'un moment. Bon, en tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo sur Fortnite à la manette. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas un peu faire une vidéo à la manette, comme j'ai un peu lâché la manette. Je suis un ancien joueur manette, et du coup, je me suis dit, ça pourrait être intéressant tout ça, ça pourrait proposer du gameplay. Dès que j'ai Modern Warfare, dès que j'ai dans mes mains, je vous sors des vidéos, vous en faites pas pour ça. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout vous abonner si c'est pas encore fait. Je remercie toutes les personnes qui feront ça. Et si vous voulez me soutenir que créateur Wilter ou Wilter 13 dans la boutique en ligne, moi je vais laisser, c'était Wilter. Je vous dis à très bientôt pour les 5 mois à la prochaine. Allez, bye.